Yakari, qu'est-ce que tu dirais d'une petite balade en forêt plutôt que d'aller ramasser des baies? Pourquoi pas? Quel calme! On entendrait une mouche voler. Calme-toi, petit tonnerre! Oh, désolé, Yakari. On vous a pas entendu venir. C'est pas grave, les amis. Bonjour, les castors. Votre nouvelle hutte est magnifique. Mon papa, c'est le plus fort des bricoleurs. Ouf, je ne suis pas fâché d'avoir fini. Mais qu'est-ce que... Quel drôle d'oiseau! Je me demande d'où il vient. Ah, ce qu'il est laid! Il a le menton plus gros que le ventre. Dis donc, l'oiseau, t'as jamais appris à voler? Je voulais pêcher, mais j'ai raté mon atterrissage. Non, je suis tellement fatigué. 3 jours de travail anéanti. Oh, tu mériterais que je te vole dans les plumes. Alors là, il va pas s'en tirer comme ça. Calme-toi, tu ne vois pas qu'il est blessé. Il faut soigner cette aile tout de suite, sinon il ne pourra plus jamais voler. Je suis un pélican. J'ai migré vers le sud quand une violente tempête m'a fait perdre ma route. Sans t'en rendre compte, tu as volé vers le nord et pris froid. Décidément, triple menton est l'oiseau le plus ridicule que j'ai jamais vu. Je te dis que c'est un pélican, graine de bison. Pélican! Tiens, voilà un étrange animal qui manque à mon tableau de chasse. Voilà, c'est bientôt prêt. La potion va faire baisser sa fièvre. Bonne nuit, tout le monde. Bonne nuit, arc-en-ciel. Pas moyen de fermer l'œil avec tout ce bruit. Oh, enfin. Oh non! Tout le monde. J'ai pas fermé l'œil de la nuit, moi. J'ai l'impression que ça va mieux. Ah oui, c'est vrai, ça fait un beau moment que je n'ai pas été...
Oh, je suis désolé. Tu peux pas faire attention. C'est pas possible d'être aussi maladroit. Hé, hey, petit tonnerre, c'est quand même pas sa faute s'il est malade. Son aile va mieux, mais pour que sa fièvre retombe, il faut qu'il mange pour reprendre des forces. Raté. Ah, c'est pas mon jour. Il est trop faible pour pêcher lui-même. Pff, il a qu'à brouter, comme tout le monde. Ça y est, j'en tiens un. Triple menton. Pélican, graine de bison. Pélican va pouvoir se régaler. Le voilà rassasié grâce à graine de bison, la terreur des poissons. Je crois qu'il a encore faim. Quoi? Oh non. À ton tour, arc-en-ciel. J'en ai un, ça doit lui suffire cette fois. Mais il est pire qu'un glouton, celui-là. Quel appétit! Il a mangé 4 gros poissons et il n'est pas encore rassasié. C'est bizarre, la terreur des poissons n'a rien pêché depuis des heures. Personne n'est assez bon pêcheur pour ce glouton. Hé, hey, je connais quelqu'un qui peut nous aider. Mais il habite loin et notre ami ne peut pas voler. Pourquoi tu me regardes? Devine. Tu parles d'un fardeau. Il ferait mieux de se mettre au régime au lieu de s'empiffrer. Oh, je vois bien que je dérange. On peut pas continuer comme ça, Yakari. Laissez-moi. Je me débrouillerai tout seul. Bonne idée. Petit tonnerre, tu n'as pas honte? Je plaisante, on va pas l'abandonner. Même s'il est plus laid qu'un crapaud et plus maladroit qu'un poulain au bas âge. Chut, vous avez entendu? Qu'est-ce que c'était? Rien, c'est étrange. Cette fois, la main d'Arc tendue ne tremblera pas. Jamais vu un ours de sa vie. Mais non, Pélican, c'est l'ami que nous cherchons. Oui. 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 Merci. J'en ferais autant si j'avais des griffes aussi longues. Tu es sûr qu'il est suffisamment rétabli pour voler? Alors, triple menton, t'as oublié comment on fait pour voler? La voie est libre, il serait capable de rentrer dans un sapin. Oui! Oiseau de malheur, prépare-toi à rejoindre tes ancêtres. Oh, encore raté.
mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Sale bête, attends un peu que je... Aïe! C'est un virtuose dans les airs. Il ne faut jamais se fier aux apparences. Cette fois, je crois que tu n'as plus besoin de nous pour te débrouiller. Tu lui as donné une bonne leçon, ça lui apprendra à chasser un oiseau blessé. Bravo, triple pélican. T'as la rapidité de l'aigle et la grâce du goéland. Il faut que je te dise quelque chose. J'ai été injuste avec toi. Excuse-moi, pélican. Oh, ça ne t'a pas empêché de me sauver la vie. Sans toi, je n'aurais jamais pu arriver jusqu'à votre ami l'ours. D'ailleurs, je ne l'ai pas remercié. Attendez-moi, je reviens. Qu'est-ce qui lui prend? C'est pour toi. Ah, je te fais bien ça. T'as pêché tout ça? D'un seul coup? Et moi qui croyais les ours les meilleurs pêcheurs du monde. Ouais, je vole, je vole. Je ne suis pas rassurée, Portilleur. Ah, ne t'inquiète pas, il risque rien. En tout cas, il a l'air d'aimer ça.